Attends, hé. À toi. Tu as gagné. Ouais, bravo. La chaise qui nous vient d'être Samy a 14 ans, il est autiste typique. Comme tous les enfants de son âge, Samy va à l'école. Il est accueilli au collège Jean Massé de Suresnes dans une classe Ulysse composée d'élèves de profils différents. Tu racontes une histoire, il faut donner envie, il faut voilà. Tu racontes quelque chose. Et là maintenant on va faire quoi? Tu regardes ton emploi du temps? Qu'est-ce qu'on va faire? Lire, je lis, avoir, pour me faire comprendre. Comprendre, ok. Moi, toi, ton objectif, c'est quoi, Samy? C'est de lire? À voix haute. À voix? Haute. À voix? Haute. À voix? Haute. Ouais. D'accord. Quand Madame Berton estime que l'élève peut être en inclusion, elle le place en cours avec des professeurs dans des disciplines particulières. Et c'est variable selon l'enfant, c'est variable selon les années, puisqu'on a des élèves dont l'inclusion augmente avec le temps, et ça peut aussi varier en cours d'année. Non, c'était surpris cette fourmi. Vas-y, je t'écoute bien fort. Si. Samy, alors c'est parti, Samy, on t'écoute. Il était une fois une pauvre fille. Un jour, rencontra une vieille femme dans la forêt. Lui donna un vieux pot. Madame Berton, qui vient d'un autre dispositif, elle s'est appropriée toute la connaissance du collège. En même temps, il faut que les enseignants s'approprient le fait que l'élève va avoir un autre contrôle. Comment on va faire ensuite avec lui? C'est vraiment un travail de complicité. Ça, c'est très important, de la complicité, pour que l'objectif soit atteint. Enfin, l'objectif, c'est quoi? Fait que l'élève soit bien inclus dans une classe, entre guillemets, normale. Vendre. Il souhaite vendre. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Ça marche. Donc, terminaison. Et. Et E-R. Très bien, Samy. Très bien. Samy est inclus dans deux classes de référence. En 6e pour le français et en 4e pour l'EPS, l'espagnol et la musique. Une plongée dans le grand bain au milieu de collégiens ordinaires. Vas-y, Samy. Oui, presque, il court. T'as mis contre, il court. Tout le monde va réussir, d'accord? Donc on ne stresse pas, même si aujourd'hui on ne réussit pas. Je reprends les élèves concernés et on va se réentraîner et réussir. La difficulté pour les enseignants, elle est entre leur groupe classe, des compétences à transmettre, et puis d'un autre côté, se dire, est-ce que pour l'ensemble de mon groupe classe, je vais continuer à avoir le même degré d'exigence? Et quand on arrive à conjuguer le fait qu'on garde le même degré d'exigence pour des élèves qui peuvent avoir un apprentissage extrêmement élaboré avec un élève en grande difficulté, ça permet d'avancer. Et c'est quoi comme terminaison? Conduit. Le E. Non. Le I. Regarde. Yes. Demande à Agathe de lire la phrase. Est-ce que tu peux lire la phrase? Lire-toi de ton cahier. Il loue son appartement en été. Donc c'est il faut quoi? Il faut louer. Et c'est un verbe de quel groupe, Samy? Expliquer l'autisme aux enseignants et collégiens et favoriser le tutorat des élèves sont les clés d'une inclusion réussie. C'est de quel groupe? Voilà, super. Au niveau des élèves, il y a la notion de vivre ensemble. Et ça, c'est très important. Justement, comme cette année, nous avons le thème la solidarité, on est en plein dedans. Alors là, non, tu vois, prier, ça va pas. Voilà, tout fait déjà. Ça a l'air difficile, Samy, hein, c'est bien. Elle écrit louer, loue, très bien. Samy, très bien. Super, c'est difficile, ça, hein. D'accord. C'est facile. C'est facile pour toi? Ah bah c'est génial, hein. Elle boit son verre de vin. Wow.
ce qui est important, c'est que ça a eu un impact effectivement sur le regard de l'enseignant sur ces élèves-là. Hein, le focus, c'est très important. Parce que ça a permis aussi peut-être de débloquer certains freins ou certaines résistances sur des élèves qui ont aussi des difficultés d'apprentissage, mais qui ne sont pas inclus dans le dispositif ULIS. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il y a une belle avancée, mais il y a encore à progresser, mais il y a une belle avance à ce niveau-là. Tu as juste une erreur, hein, toi, donc ça va ? Tu as une erreur, on va essayer de remédier à ça, d'accord ? C'est vrai que d'avoir des documentaires qui expliquent comment accueillir, pourquoi, comment les gens évoluent, c'est vraiment très important. C'est quelque chose qui se construit et on avance progressivement là-dessus parce qu'on a tous à y gagner. En classe ordinaire, Samy apprend à être avec les autres, comme les autres. Jour après jour, élèves et enseignants s'adaptent à sa différence. Une adaptation réciproque pour le bénéfice de tous. Samy, t'as mis un chasuble vert ? T'es avec les verts, Samy. Samy va jouer avec tout le monde à certains moments de cours. À d'autres moments de cours, il va suivre son équipe quand il peut. Il a commencé le cycle sans dribbler avec le ballon pour aller vers le panier. Il prenait le ballon, il allait vers le panier comme un rugbyman porte la balle pour aller marquer. Donc ce jour-là, je l'ai juste fait à côté de lui, le dribble. Je l'ai fait à côté de lui, il m'a juste imité. Il a compris que je voulais de lui qu'il dribble pour progresser avec le ballon, juste parce que je l'avais fait à côté de lui. Les phases de jeu où il prenait la balle pour se précipiter vers le panier, mais quand il marquait le panier, il a tout de suite sauté en l'air de joie, etc. Donc là, il a compris que c'était une valorisation de marquer le panier. Samy ! Ce qu'on évalue plus, c'est quels sont ses progrès au fil des cours, qu'est-ce qu'il est capable de faire maintenant qu'il n'était pas capable de faire au début du cycle, mais pas forcément la notation sur 20 comme la connaissent les autres élèves. Je demande la même chose, mais c'est les moments où il va être en échec que je vais lui proposer autre chose. Maintenant, ils interpellent Samy, ils lui demandent des choses, ou quand ils voient Samy en difficulté, il y a des élèves qui le guident souvent quand il est perdu ou quand il ne sait pas ce qu'il y a à faire. Samy, lève les pieds jusqu'au fait. Voilà, encore, c'est bien. Ils sont attentionnés et ils l'encouragent beaucoup. Toi, tu es après Clémence. Après Clémence. Thank you.